Et salut YouTube, on est parti pour une petite découverte sur Sigil of the Magi. Un jeu qui a l'air assez sympa. Attendez, je vais juste baisser un peu le volume. Du coup, c'est un tactical avec des cartes. Et du coup, on va voir ce que ça donne. Je sais même pas si c'est un roguelite ou pas. Ou si c'est plus une aventure, une histoire. Party selection, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, je choisis le groupe, un peu à la Into the Breach. Vas-y, on part avec eux. De toute façon, je crois que je peux prendre que eux. En fait, les autres, ils sont pas débloqués. Difficulté, challenge 0. Bon, on peut partir qu'en normal. Vas-y, hein. Ouais, ok, donc c'est plus en mode roguelite à voir la carte. Alors, c'est la carte globale. Ton but est d'arriver à la fin, d'avancer étape par étape. Tu peux, ouais, traverser les points qui sont liés entre eux. Ok, tu peux pas revenir en arrière. Bon, c'est du classique. Du coup, on peut faire un combat ou un combat. Donc, je pense qu'on va faire un combat. La question, c'est après, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a des events. Ça, c'est quoi? C'est un marchand, un trésor. Je suppose que le trésor, c'est assez sympa. Je suppose qu'on peut faire ça, aller ici et puis aller en bas après. Je suppose. Sinon, il n'y aurait pas ce lien-là. On va tester. A priori, trésor, c'est intéressant à prendre quand même. Alors, donc on peut positionner notre champion au début de chaque combat. Mais par contre, ils peuvent être placés que dans la zone verte. Ok. Donc notre champion, je suppose que c'est le perso qu'il faut pas faire, qu'il faut faire survivre. Et donc après, je peux placer les autres. Pourquoi il n'y a pas de musique? Qu'est-ce que quoi? Each power level increase both attack, damage and armor generation. Je suppose que lui, je veux pas le mettre à côté du yinche a priori. On va le mettre là. Et lui, on va le mettre là. Une fois que tu es prêt, appuie sur start pour commencer la bataille. Ah ok, faut que... Commencer la bataille pour la musique. Alors, au début de chaque tour, tu pioches 5 cartes de ta pioche. C'est ta main actuelle, ok. Ça, c'est ta pioche, du coup. Tu peux cliquer dessus pour voir les cartes qu'il reste. Ok. Si au début du tour, il n'y a pas assez de cartes dans ta pioche, du coup... Toutes les cartes dans ta défausse sont remélangées dans ta pioche. Classique. Ok. Le champion a une portée de mouvement de 3 cases par tour. Tu peux bouger un champion autant de fois que tu veux jusqu'à ce que leur mouvement total soit dépensé. Ok. Les champions peuvent utiliser seulement leurs cartes associées. Tu peux jouer un nombre illimité de cartes tant que tu as assez de mana. Ok, le mana, c'est ça, je suppose. Hein. Chaque champion a une capacité passive. Il y a des indicateurs visuels pour chaque capacité à jouer. Ok, par exemple, la lumière active sous l'archer, je suppose que c'est ça, là. Indique qu'il a une compétence d'activer. Les compétences passives peuvent être puissantes quand elles sont utilisées proprement. Regarde le portrait du champion pour plus de détails. Certains ennemis peuvent avoir des capacités passives également. Leurs capacités sont affichées sous leur portrait. Donc n'oublie pas de les regarder. Ok. Donc il fait quoi lui? À la fin du tour du joueur, le chevalier gagne 2 d'armure pour chaque case adjacente occupée. Ah ouais? Donc même les ennemis? C'est fort en vrai. Power level. Plus 1 dommage to attach, plus 1 to armor. Et ça c'est quoi? Wizard aura. Passive ability plus 1 power. Ah, il fait quoi lui vite fait? Plus 1 power to any adjacent ally. Ok. Et s'il est adjacent à 2 alliés, il se donne plus 1 de puissance. Ok, j'aurais pas dû les placer comme ça du coup.
Si l'archer n'a pas bougé pendant son tour, il augmente ses dégâts de base de 50%. Ah ouais. Et lui, il a quoi? Comment on fait du coup? Comment je fais pour voir son passif? C'est ça son passif? Attire passive ability. Il gagne 2 de puissance au début de chaque tour. En tête de mêlée, à tête de mêlée. On sait s'il a la portée du coup ou pas? Ouais, lui il a la portée pour me taper mon archer, je suppose. Les indicateurs verts indiquent le mouvement et les rouges montrent sa portée d'attaque. Donc il peut aussi taper mon mage là. Un ennemi attaquera toujours le champion dans l'ordre de priorité 1, 2, 3. La priorité est choisie aléatoirement et change au début de chaque nouveau tour. Ok. Les ennemis sont consistants, ces gens. Sont réguliers, on va dire, et prédictibles. La capacité qu'un ennemi utilise sera toujours affichée ici. This is the card rack. Où ça? Mais c'est où le card rack en fait? Mais en gros, on voit du coup si l'ennemi a plusieurs compétences, il les utilise du coup par ordre de priorité de gauche à droite. A priori, là, il n'y en a aucun qui ont plusieurs compétences. Bah, peut-être que si, lui. Enemy follow a strict turn order. Ok. Use the blue button hero. Non, here. Ah, là. Ok, donc on peut voir l'ordre d'attaque des ennemis ici. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est pour recommencer le tour. Ah, c'est pas mal, ça. Sympa. Pas mal de trucs quality of life. Genre, de pouvoir voir l'ordre du tour des ennemis et tout, c'est assez sympa. Savoir dans quel ordre qui vont taper en premier, c'est très sympa aussi, je trouve. Du coup, lui, il peut pas taper, là, mais tu sers à rien. Et si je le mets là? Il peut pas taper, quand même. Est-ce que je peux... Non, je peux pas, CTRL Z. Faut que je restart direct. Ah, et quand je restart, je pars de là. Oh. Si je me mets comme ça, genre... Ah non, attends. Comme ça. Et genre là, je peux... Ah, mais faut que j'utilise genre ça. Slash, slash. Ça, c'est mêlée. Magic armor. Shoot. Deal 10. Une fois qu'une carte est jouée, elle va dans la défausse. À la fin du tour, chaque carte qui reste en main sera aussi défaussée. Ok. Ça donne 7 d'armure. La question, c'est lui, par exemple, il va aller taper là, non? Ah, c'est bizarre, il a écrit qu'il disait qu'il favorisait toujours de taper le champion. Et pourtant, là, il va taper l'archer. Peut-être parce que lui, il peut l'atteindre. Bah non, il peut pas l'atteindre. Lui peut aller juste ici. Et ça, c'est quoi la portée? C'est... Ça tape pas en diagonale. Hein. Et y a que lui qui peut taper comme ça? Genre lui, il peut pas, par exemple, si je vais là. Ah non, lui, il peut pas. En vrai, si je me mets comme ça, c'est pas mal. Parce que du coup, là, je bloque... lui... Et lui, il pourra taper personne. Receive 50% more damage from attack. On va peut-être éviter de se mettre là, du coup. Comme ça, c'est pas mal, je pense. Hein. Ah, mais c'est peut-être ça, en fait, le rack, là. C'est les trucs qu'il y a ici, en fait. Ah, ok. Et comment je fais pour, genre... Ah, comme ça. Ok. Intéressant. Ok. Bon, on peut le mettre que sur lui, ça. Ok.
Une fois que tout ton mana est dépensé, tu ne pourras plus jouer d'autres cartes, sauf les, enfin, des cartes qui ne coûtent pas 0, quoi. Appuie fin du tour pour... Si t'as plus rien à faire, en gros. Ok. Alors, tu peux dépenser du mana pour mettre des cartes en réserve. Les mana, les cartes qui sont stockées n'iront pas dans la défausse à la fin du tour. Mais elles ne pourront pas être jouées le même tour où elles sont stockées. Ok. Si l'emplacement de stockage est plein, la carte la plus à droite sera défaussée et une nouvelle carte sera stockée à sa place. Ok. Là, je fais 8. Safe to any adjacent ally. Non, mais c'est fort ça, du coup. Je donne 9 à tout le monde là. Attends, mais il tape à. Non, il tape à 6. Ça, c'est sa vie, en fait. Je voyais écrit 22, j'étais en mode, il tape à 22, là. C'est beaucoup, quand même. Donc, je peux faire ça, mais du coup, ça me coûte du mana de la mettre là. Ah, ouais. Là, je peux la mettre là aussi. Et ça, ça me coûte pas de mana de la stocker. Mais du coup, je tue pas le chien. Mais ils vont quand même taper la... Ils vont tous les deux taper l'archer, c'est chiant. Je croyais qu'ils favorisaient de taper le champion, on est d'accord quand ils ont dit ça. Lui, il est à portée de personne. Ah, mais lui, il veut taper le champion maintenant. Mais pourquoi et pourquoi tout à l'heure, il l'a pas fait. Farshot. 10-10. 8. Je fais 8 avec ça, je fais 10 avec ça. Ah, mais je peux pas taper lui, du coup. Dommage. C'est que sur soi-même. Lui va se faire taper. Il prend 5. Ah, mais il peut pas le faire sur soi-même. Ah non, si. Ah non, mais faut que je tape. Je vise qui je veux. Focus. Ah, c'est chiant là parce que en fait. Vas-y, je vais la stocker. Ça sert pas à grand-chose, mais bon. Mais lui, il va mettre la misère, il tape à 9. Lui, il a 14. L'archer est pas très bien positionné, quoi. Ça, je peux la jouer, du coup, ça coûte 0. Mais ça, par exemple, ça coûtera 1. Je peux faire 28, en vrai, je peux tuer lui. Lui, il veut taper ici. Il tape qu'à 6, en vrai. En vrai, je peux, hein. Ah mais ça m'utilise pas d'énergie de faire ça. Oh mais c'est fumé. C'est fumé. Par contre j'ai un problème, c'est qu'en fait... C'est qu'en fait... Eh ben je tue personne là. Du coup lui il va prendre... Il va prendre 15 et il défend à 12. Ou alors je fais ça. Là, il fout le def. Lui, il tape encore l'archer, mais pourquoi? Arrête. Arrête ça. Ah, mais c'est chiant parce que mon archer, là, il tape plus personne, du coup. Oh, la misère. Oh, mais je suis dans la merde, en fait. Ok, on va faire un plan d'extraction. Cours. Cours. Ah mais il tape pas d'ici. Ah je peux plus restart les... Ah si je peux encore. Attends. Il faut qu'il puisse taper ici quand même. Donc faudrait qu'il se mette... Où ça? Ici genre? Là il tape à 7.
Ça, ça dégage. 5 d'armure. 7 d'armure. Voilà. Et puis on le tape. Voilà. Ok. Alors, tu auras des récompenses après chaque bataille. Ouais, ok. Ok, classique. Si tu n'aimes aucune carte qu'on te propose, tu peux toujours skip la récompense. Choisis tes cartes avec précaution pour avoir un deck constructif. C'est essentiel pour gagner, n'est-ce pas ? Une 14 d'armure, inflige provoke à tous les ennemis adjacents. Ça peut être utile, ça, en vrai, je pense. Hein. Sinon, ça quoi ? Ah, donne 4 d'armure deux fois à n'importe quelle cible. Plus 2 d'armure si la cible a été sélectionnée qu'une fois. Ah, si on a sélectionné qu'une cible. Du coup, on peut mettre jusqu'à 12 d'armure. C'est fort, en vrai. Ça coûte que 1 en plus. Après ça, ça coûte 0 aussi. C'est pas mal. Ça fait piocher une carte en plus. Et c'est gratos. Franchement, c'est gratos, ça. Un peu. Ah ouais, le jeu est vraiment pas mal. Hein. J'aime bien ces petits... Ça, c'est des petits détails, tu vois. Mais c'est ce qui font la diff entre un bon jeu et un très bon jeu, tu vois. Le fait qu'on puisse preview et genre restart le tour, des trucs comme ça. Tous les jeux ne le font pas. Et c'est très appréciable. Les cartes jouées du, okay, de la, du truc de stockage ont plus 2 de puissance. Ok. Et donc là, je peux aller ici ou là. J'ai combien de gold ? 200. En vrai, 200 gold, je peux peut-être faire le shop quand même. Hein. Là, je testerai bien l'event. C'est quoi ça ? C'est un combat d'élite. Ok. Après, il y en a un là-bas aussi, le shop. Et là, il y a un feu. Je sais pas si c'est juste pour se soigner ou si on peut faire autre chose comme sur STS. Alors, est-ce qu'on a l'ordre ? Lui, il tape en premier, lui en deux, lui en trois. Ok. Ils tapent tous... ouais, ils ont tous qu'un truc à faire. On va mettre lui, genre... faudrait faire un truc comme ça, je pense. Ça fait quoi, ça ? Donne 4 d'armure à chaque unité occupant cette case. Alors... Start to begin. C'est où start, hein, Bruno? Aveugle man. Alors. Donc lui, il peut me taper. Il va focus lui. Taper à 6. Lui, il a la portée aussi. Lui, il a pas la portée. Si, lui, il a la portée aussi. Ils ont tous la portée pour me taper. C'est un peu chiant, ça. Ce que je me dis, c'est... Pourrait peut-être bouger un peu pour plus être à portée, gagner un tour. Me mettre comme ça, genre. Si je fais ça, par exemple, lui, il est toujours à portée, mais c'est pas grave. Lui, il taperait personne et lui, il taperait l'archer. En sachant que l'archer, il gagne déjà 4 d'armure de base. On va stocker ça. Et puis juste, on va double armor. En vrai, lui, je suis peut-être pas obligé de le mettre de l'armure. Et lui, il gagne aussi de l'armure en passif. 2 d'armure pour chaque allié adjacent. Non, pour chaque case occupée adjacente, plutôt. Du coup, il gagne 4, là, logiquement. Ça prend les diagonales aussi, je pense. Du coup, en vrai, je peux juste tout mettre, mettre tous mes dégâts là-dedans, en vrai. Ça a boosté avec ça, là. Et le prochain tour, on les... Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ils y sont plus? Ah non, j'ai gagné que 2. Ça compte pas la diagonale, du coup. Lui, il veut taper le champion. Lui, il veut taper l'archer. Lui, il veut taper l'archer. Ils aiment bien taper l'archer, j'ai l'impression, hein. Ils aiment bien.
Là, je peux provoquer un mec avec ça, ce qui est pas mal. Avec ça, je fais 10. Avec ça aussi, je fais 10. Ouais, mais du coup, c'est con parce que ça, je l'ai plus en mêlée, quoi. Lui veut taper ici et lui veut taper ici. Défendre pour 9, en vrai. Lui tape à 6, lui tape à 6, bon. Je prends des dégâts, c'est peut-être pas nécessaire de prendre ces dégâts, mais bon. Après, c'est pas non plus genre hyper gênant, quoi. J'ai pris 2, 2. Non, j'ai pris 4 avec le champion. Enfin, le chevalier. Je sais pas pourquoi il l'appelle le champion. Je sais pas si c'est genre... censé vouloir dire un truc. Lui, ce qui est chiant, c'est qu'il est à portée de personne, quoi. Lui, il tape ici et lui, il tape le mage. Ok. Si je me mets là. Mais il est pas à portée, putain. Ça, c'est sur soi-même. Et lui, il tape à 6. Voilà. Ça, on peut le garder. Ah ouais, c'est pas mal comme relique, ça. 2 de puissance. Alors, fait 5 dégâts plus 3 dégâts ce combat pour chaque tour où cette carte reste dans le truc de stock, de stockage. Ça peut être fort. Fait 8 dégâts et ça fait reculer la cible de une case. Ça, c'est mêlé par contre. Je suppose que du coup, ouais, faut vraiment être collé à l'ennemi pour le faire. Ça peut être bien en vrai parce que le problème avec l'archer, c'est que je suis obligé de le bouger au bout d'un moment. Parce que les ennemis sont trop près. Je vais le prendre. Event. Alors, le groupe... on voit une petite... une petite silhouette assis dans l'ombre. La silhouette regarde dans notre direction en ressentant de la compagnie. Ok. Un homme Agar Loudin. C'est quoi, c'est genre... il est genre un peu paumé. Avec des yeux sauvages. Tremblant, il s'approche avec effort, s'approche prudemment de nous. Voyageur, s'il vous plaît, aidez un pauvre homme, j'étais maudit. My burden. Ah oui, genre, faut lui prendre des malédictions en gros. Faut rajouter une plaie si dans mon deck pour gagner une relique. Les cartes qui coûtent 0 de mana ont plus 3 de puissance. Sinon, je peux gagner 150 gold. Indran's card, 10, but the flesh wound. Mais ça, je peux pas le jouer, genre. Donc ça reste quoi qu'il arrive. Ça, je peux le jouer, par contre. Et je gagne... Ah, est-ce que j'ai vraiment envie? Après, je peux peut-être la virer au shop, après. Mais du coup, je peux faire double élite, là, en fait. A priori. Vas-y, je rejette. Donc, attends, ça, c'est l'élite. Ouais, ça, c'est l'élite. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un mage de ses morts. Basic range attack, deal 7.
Lui se met un truc passif qui augmente sa puissance, fait 11 dégâts. Ok. Les petits bruitages là, c'est terrible. Je vais augmenter la puissance du mage en premier. L'archer. On va le mettre ici du coup. Comme ça. Comment je fais pour Bandit cléric? Comment je fais pour voir ses attaques? Donne un allié 2 de puissance et 12 d'armure. Et ça le donne aussi à lui-même. Soigne de 12 et donne 6 d'armure à tous les alliés. Putain, mais c'est fumé. Il a 75 PV. En fait, c'est lui le danger. J'avais pas vu, mais son nombre de PV, c'est abusé. Ça, c'est genre une brute, quoi. Tape à 8 et sinon, il a le knockback. Et eux deux, ils ont juste des attaques basiques. Ah non, lui, il a le truc qui le booste aussi. Donc en vrai, il faudrait quand même que je tue E2 en premier, je pense. Après, lui, il peut être chiant aussi. En vrai, c'est tout ça, je le stocke. Après, ça, je peux le jouer peut-être, mais j'ai pas la portée en fait. Donc, vas-y, on va juste faire ça. Attends, il est en portée de m'attaquer là? Après, en vrai, il va pas me taper vu qu'il peut pas vraiment, mais. Le problème en fait, c'est que là, j'ai stocké plein de trucs, mais ça sert pas à grand chose quoi. Faut pas les défausser, genre? Je suis obligé, genre, de les jouer quoi. Et si je me mets là, est-ce que je peux taper? Ah, même pas. Ça dégoûte. En vrai, je stockerais bien, genre ça par exemple, je pourrais le stocker, mais en fait, à la place de ça, il faudrait. Du coup, je les ai pas mis dans le bon ordre. Chier. Vas-y, on va skip le tour. Hein. Il avance pas, lui. Mais il booste tout le monde. Et lui, il a porté là. Après, lui, il tape qu'à 6. Ah non, il tape à 8 du coup. Lui peut aller là, mais il va juste heal. Lui va rien faire. Et lui non plus. J'ai aucun shield par contre. C'est terrible. Sinon j'attends juste qu'il s'avance. Hein. Ouais, je pense que j'ai pas joué de manière optimale quand même ce début de fight. Lui veut taper le... Ok. Bon, alors. Je suis obligé de faire ça sur lui. C'est un peu dommage de claquer sur lui alors qu'il a plus de vie, mais bon. Lui veut taper lui, donc lui il va défendre, c'est bon. Lui il a pas la portée et lui. Lui il a pas la portée non. Ah si, il a la portée pour taper ici. Donc je prendrais 7, 7 et 9. Il tape à 9 quand même. Il tape à 9 quand même. J'avais pas anticipé ce détail. On va se défendre quand même. Faut que je le tue rapidement lui quand même. Donc là, lui, il veut shield et booster. Lui, il est toujours pas à portée. Ça, c'est bien quand même. Je sais pas pourquoi il vient pas, mais tant mieux. Là, je fais 10 avec ça. 10 avec ça. 8 avec ça. 8 avec ça aussi. Pff,
Faudrait que je m'approche d'eux, mais après je me mets à portée. J'ai pas forcément envie pour l'instant. On va continuer à stacker un peu les attaques hein, pour l'instant. C'est à notre avantage. Hein. Ok, là ça va peut-être être compliqué. Lui, t'as pas 13 quand même. Il veut taper lui, ça va. Il veut soigner tout le monde. Bon, il n'y a personne qui a perdu de la vie. Hein. Ça, ça m'embête en vrai, parce que ça me sert à rien. T'as pas quoi à 13. En sachant que je gagne 4. 6. Ouais, j'aurais juste dû faire ça, c'était plus intelligent. Et là, je suis toujours à portée de personne. Ben, on va juste stocker. Hein. On campe. Oh, il m'a knockback. Le petit bâtard. Donc lui, il veut taper le chevalier et lui, il veut taper l'archer. Mais il peut pas le taper l'archer, donc il va taper le mage. Bon, lui, il faudrait le tuer quand même parce qu'il va commencer à faire mal. Et lui, il veut taper là, il tape à 7. Petite défense. Après, c'est pas la meilleure défense non plus, quoi, mais bon. Ok. Bon, bah, c'était simple, en vrai. Suffit de camper un peu, et puis voilà, quoi. On va avancer sur sa gueule. Et là, on va le marave. Hein. Après, il va soigner 12, mais je pense que ça reste rentable quand même. Pour tous les dégâts que je lui mets. De toute façon, vu la vie qu'il a, faudra faire plusieurs cycles, hein, quoi qu'il arrive. Là, il veut taper l'archer à 9. Ouais, je peux lui mettre un petit knockback. Boum. Ah merde, j'ai toujours pas... Je peux pas taper avec ça. Petit shield. Et puis, on va stocker ça. Ça fait plus mal que le slash. Touch. En vrai, je devrais peut-être le virer. Après, en vrai, tant que j'ai de la place, ça sert pas à grand chose. Il est à 18. Touch. Et il va soigner, c'est un peu chiant. Mais bon, je peux pas le tuer. Est-ce que je peux le tuer en vrai? Je peux peut-être le tuer. 13 et 8, 8. Ouais, bah c'est bon. Nickel. Bon, bah le fight était assez simple en vrai. Hein. Le fait que la grosse brute là, il avait pas assez de déplacement en fait. Du coup, il a jamais eu le temps de s'avancer avant que les deux autres soient morts. Alors, quand tu as 10 cartes en main, jouer une carte fait 50% plus de dégâts et donne 50% plus d'armure. Mais comment je peux avoir 10 cartes en main, par contre? Enfin, j'ai de la pioche de fou, quoi. Fait 14 dégâts, moins 1 coup en mana, ce tour-ci, quand une carte est jouée. Ah.
Ça peut être pas mal ça en vrai, avec le truc de stockage. Et on a quoi? Donne 6 d'armure et donne la moitié du total d'armure à une autre cible. Ah mais du coup elle est upgrade celle-là, c'est une plus. Moi je veux la prendre. Et du coup là je peux retourner faire un élite. Ah mais j'ai envie de voir ce que ça fait le feu. Il y a un élite là aussi en vrai au pire. Oh putain mais c'est chaud ça. 6 dégâts, 6 dégâts. Après c'est pas non plus des gigas mobs difficiles à battre mais ils sont beaucoup quoi. Ils sont beaucoup. Ça va venir de partout. Surtout, je suis à portée de pas mal de monde, quoi. Les deux veulent taper le mage. Lui aussi veut taper le mage. Putain, mais elle a une portée de fou aussi. Hein. En vrai, je pense que je devrais reculer. Aller par là. Comme ça, lui, il peut pas me taper. Lui, il peut pas me taper. Lui, il peut pas me taper. Elle peut me taper. Et lui, il peut me taper forcément aussi. Mais du coup, en fait... on va jouer ça. Mais ça, du coup, je peux pas le jouer. J'aurais pas dû le faire, en fait, ça. On va restart. On va restart. On va refaire la même. Ok. Oh l'archer. Oh l'archer, elle s'est mise dans la flaque. Ah merde, il lui a mis un shield. Je fais quoi? Je fais 12 avec ça. Et là, je tape à 18 du coup. Ouais, c'est rentable quand même, hein. Bon alors qui se fait taper? Lui ouais c'est chaud là, tout le monde va se faire taper. C'est archer et bah après ils vont tous prendre en fait. Le problème c'est que j'ai aucune défense quoi. C'est un peu la merde là quand même. Je pourrais tuer elle. Et tuer lui. Et là, du coup, on a deux mecs qui veulent taper l'archer. Après, en vrai, si je me mets là, genre... Il n'y a que lui qui prend des dégâts. Et il y en a qu'un qui... Ah non, lui peut... Non, il y en a qu'un qui peut me taper, en fait, là. Par contre, on est vraiment en full fuite, quoi. On est en mode... je suis un lâche. Je suis totalement un lâche. Bon, là, le problème, c'est aussi qu'on est encerclé, du coup. Est-ce que c'est grave? Peut-être pas. Ça passe 6, lui. On va se créer une ouverture. 8, ça passe 6 aussi. Moi, je peux full def comme ça aussi. Est-ce que encore le mieux? Lui tape qu'à 6. Après, si je fais ça, je fais que ça, quoi. C'est peut-être un peu dommage parce que je me retrouve dans la sauce au prochain tour. Je vais être bloqué, quoi. Sinon, j'ai Magic Armor aussi. Peut-être au moins sortir comme ça, genre. Là, lui, il tapera ici. Lui, quoi qu'il arrive, il a la portée. Ah non, il a pas la portée, lui, en fait. Ah, du coup, j'aurais pas dû utiliser mon truc. On va juste faire ça et
On va garder... ça revient au même. On va mettre ça. En vrai, les, garder les Wizard Staff, c'est mieux techniquement, vu qu'il a plus de portée. Mais bon. Pas hyper important non plus, quoi. Lui, il veut se booster, ok. Si tu veux, mec. On va casser la gueule à ton pote, alors. Et puis, ni une ni deux, on est bien, là. On est bien. Vraiment, gameplay fuyard, quoi. Petit gameplay fuite. Bon, lui, tape à 8. Et moi, je défends à 7. Ça fait chier. Cela dit, si je fais ça... Eh ben, je full def. On va garder ça, et puis au prochain tour, je pense que je le sauce. Alors, un flic tripled, c'est quoi tripled? Est-ce qu'on peut savoir ce que c'est? Le mouvement est restreint à une case. C'est fort en vrai. C'est 7 dégâts seulement jouables quand la carte, quand le rack est plein. Ah! Ça peut être pas mal ça. Brûle une carte en main, pioche 3 cartes. Ça peut être pas mal ça aussi, si on veut essayer de proc le Golden Pig. Ça peut être pas mal. On va avoir 10 cartes en main, quoi. Mais après, je sais pas si les cartes dans le rack, enfin dans le stockage, elles comptent. En vrai, ça m'étonnerait. Donc, enfin, en vrai, 10 cartes en main, ça paraît difficile quand même actuellement. Ouais, j'aime bien ça, c'est une carte à 0. C'est jouable que quand le rack est plein, mais c'est assez simple de le remplir au final. Surtout que je joue autour de ça, quoi, donc... Ok, on a feu-feu. En vrai, je me demande si je vais pas ici pour faire ça, into feu, into shop. Ah, individual heal. Pour regagner 50% de PV. Heal de groupe pour gagner 25% de PV ou entraînement pour améliorer une carte. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Bah écoute, on va améliorer une carte. Qu'est-ce qu'on va en améliorer? Ça donne quoi ça? Ça fait 8 dégâts à la place de 7. Et ça, c'est soit quand le carte. Ah, ça c'est du coup soit quand le stockage est plein, soit quand il est vide. C'est pas mal non plus, mais il y avait la carte qui me fait piocher, là, j'aimais bien. Ça passe à 2 cartes, en vrai, c'est cool. Ça augmente aussi ses dégâts. Je pense que c'est assez agréable, ça. La pioche gratos. J'aime beaucoup. Ok, il y a qu'un ennemi, mais il est vénère. il a quoi? Il a 3 moves. Est-ce qu'on peut voir? Ouais, ok, je peux me mettre là, du coup. On va peut-être pas le faire comme ça. Plutôt comme ça, je pense. Alors, qu'est-ce qu'il fait? 10 dégâts, knockback 2 et 14 dégâts. Et plus 1 de mouvement, plus 1 de puissance. Ok. En sachant qu'il commence par son attaque à 14. Plus un mouvement, tiens. Plus un mouvement, plus un de puissance, boum. On va garder, ça on va garder. Donc on peut se mettre ça. Je sais pas s'il va se rapprocher ou pas en vrai. Après, ce qui est dommage, c'est de pas mettre de cartes attaque là-dedans. Parce que du coup, c'est quand même assez assez fort pour augmenter la puissance, quoi. Mais bon. J'ai pas non plus envie de les claquer dans le vent, quoi. Il tape l'archer. 14, il veut me faire
envoyé en l'air. Il va me faire valdinguer. Non, je peux le taunt. Boum. Du coup, là, il va focus, lui. Pas mal. Pas mal du tout, même. Ça, ça fait 15 dégâts et un knockback. Je vais faire ça, ça. J'ai l'impression quand même que c'est... Genre, s'il n'y a qu'un ennemi, vu qu'on est trois, c'est quand même plus simple. Même s'il est plus fort, tu vois. Je trouve que... A priori, ça a l'air plus simple, quoi. Par contre, il veut vraiment me full taper mon pauvre archer, quoi. Qu'est-ce qu'il t'a fait, mon archer, pour que tu veuilles autant le taper? Ça, je peux pas le faire. J'ai que ça en défense. Ça fait 8. Et il tape à 11. Donc on va prendre un peu de dégâts. Mais en même temps, si je le fais s'en aller, c'est lui qui prendra. Et j'ai pas vraiment envie non plus, en fait. Donc on va accepter. Puisque c'est pas si mal, parce que du coup, il va se mettre au corps à corps et je pourrais faire cette attaque. Il fait quoi? Ok. Ah merde, il a pas la portée. Ça, c'est chiant par contre. Après, en vrai, je peux peut-être le faire aller ici. De toute façon, il est mort là. Il est juste mort, quoi. On a temporisé son gros coup avec... avec comment ça s'appelle, avec la provoque, et puis c'était gagné, quoi. Alors, pour chaque carte, 4 cartes jouées en un tour du même personnage... Non, du même champion. Le champion gagne 1 de puissance. Et du coup, c'est tous des champions, en fait. Genre, c'est juste un personnage, quoi. Un champion égale un personnage. Je pense que c'est ça, hein. Ok. Bon, ouais, j'ai pas mal de cartes de l'archer. Donc, je pense que c'est assez utile. Fait un dégât, 3 fois, n'importe quelle cible. En vrai, avec ça, ça peut devenir intéressant. Même avec ça, en vrai. On va full archer. On est en full archer. Du coup, on va les upgrade. Qu'est-ce qu'on améliore? Ça donne quoi, ça? Ça passe à 8. C'est pas non plus une dinguerie. Ça passe à 6. Ça passe à 10. En vrai, ça, c'est pas mal. 11 et 3 d'épines. Ça peut être pas mal aussi. Et ça passe à quoi? Ça augmente de... à 4 fois. Ah, c'est fort ça aussi comme upgrade. Le problème c'est que j'ai pas de saignement, quoi. Donc c'est pas non plus une dinguerie, quoi, mais. Alors. J'ai quoi? J'ai 465 gold. Quand un champion inflige un statut négatif, le champion gagne 2 d'armure. J'ai rien, je crois, pour affliger des effets négatifs. Enfin, si, j'ai la provoque, quoi. Mais c'est tout. Si la première carte que tu joues pendant ton tour coûte 2 ou plus de mana, on gagne plus 1 mana et on pioche une carte. C'est pas mal, ça, en vrai. Après, j'ai pas beaucoup de cartes qui coûtent cher non plus. À la fin du tour, tous les champions gagnent 1 d'armure pour chaque carte stockée. Oh, ça, on prend. Ça, on prend direct. Pas mal ça en vrai, la téléportation. Putain, je comprends pas comment ça marche en vrai. Ça aussi, ça peut être pas mal en vrai. Armor swap.
Voilà. Peut-être virer une attaque de mêlée. Et en vrai, je vais acheter ça. On va voir comment ça marche. Qu'est-ce que je upgrade? Ah, ça passe à 10 aussi, ok. Juste augmenter les dégâts en vrai. Hein. Ça, c'est des cartes basiques, donc c'est pas dingue, mais bon. Ok, on a déjà affronté lui aussi. Ouais, ça m'a pas l'air si dur que ça, hein. Ah merde, il met des merdes dans ma pioche par contre. Oh, on va se mettre un peu mieux, je pense. On va genre se mettre ici. Là, je peux faire ça. Ouais, je vais me mettre là. Il veut me taper, il me tape à 6, lui il me tape à 6. Lui il a pas la portée. Et lui, lui non plus. Il y a une 6 d'armure à tout le monde. Et 2 de puissance. C'est un peu chiant. Dans l'ordre, c'est qui ok, il tape en dernier, lui. Il tape en dernier. Faudrait peut-être que je les joue, les junk, en fait. Merde, j'ai pas la portée. Si je me mets là, j'ai la portée. Lui, il a pas la portée en vrai. Un vote deux... Quoi? Non mais c'est cheaté ça. Mais tu veux un voter quoi. Normal. Ok, un tour. Il spawn pas tout de suite quand même, heureusement. Lui tape à 13, lui tape à 8. Est-ce que si je fais ça, genre, je peux le mettre où je veux? Ah non, j'ai quand même une portée. Moi, je peux le mettre dans la flotte et ça, c'est pas mal. C'est assez fort, ça, en vrai. J'aime beaucoup. Thank you.
Ah, c'est dommage, ça, je peux pas le jouer. À moins que... Attends, j'ai joué combien de cartes avec lui? Là, j'en ai joué deux, non? On est d'accord? Je crois. Faudrait que je fasse ça, genre. Ça. Je peux pas le taper, l'autre. Et j'envoie des grosses patates avec lui, là. Il est boosté, hein. Il est boosté comme jamais. Power level 3. On va envoyer des bonnes grosses patates. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il veut encore me mettre des merdes, ok. Mais du coup, j'ai que de l'armure, là. C'est de la merde. Après, en vrai, ce que je peux faire, c'est juste... les défausser, quoi. Lui, il a pas la portée. Si, il a la portée. Il a la portée. Bah, à ce moment-là, ce que je fais, c'est je mets une défense. Le boss, on va le TP. Il a pas la portée non plus, putain. On va le TP, j'ai dit. On va le TP où? On va le TP... On va le TP ici. Voilà. Comme ça, lui, il bloque le chien en plus. C'est génial. Et là, on va mettre ça ici. Ça ici. Ça ici. C'est nickel. Alors, le problème, c'est qu'en vrai, je vais lui mettre qu'une attaque sous vulné. C'est un peu dommage. Ouais, je devrais sûrement taper les yinches. Voilà, comme ça, ça c'est fait. Il tape 6. Lui, fait quoi? Il booste ses alliés. Il est encore sous vulné, en vrai. Combien de temps ça dure? C'est pas écrit. Peut-être c'est juste à la jusqu'à la fin du tour. On va faire ça. On peut le mettre aussi. Il fait quoi? Il veut taper à 12 sur l'archer. Taper à 8 sur l'archer. Après, il va pas pouvoir le taper a priori. Attends, qui? Ouais, s'il va pas pouvoir le taper, le chien a priori. C'est assez chiant les junk quand même. On va le laisser et puis on va juste virer ça, ouais. Ah, il s'est écarté. Il est intelligent. Il est intelligent, le bug. Invoque, arrête d'invoquer par contre, c'est chiant. Ouf. Alors attends, il y a un truc à faire là, je fais quoi avec ça? Je fais... Ah mais je peux pas le taper en fait. C'est dommage ça. Et si je recule comme ça? T'as pas combien? 15. Oh non, ça dégoûte. Non, c'est ça qui tape à 15, ça c'est à 9 et ça c'est à 10. Ouais, donc ça, ça tapera moins aussi quoi. On va pas le faire tout de suite, lui. On va le TP. On va le TP ici. Ça, on va attendre. Et ça, on va le mettre là. Cela dit, le mettre à côté du mage, c'était pas si bien de ça non plus, quoi. Peut-être que mon mage, j'aurais dû le bouger. Ah, par contre, c'est chiant, ça, les invocations à côté de mes units. Après, sinon, il pourrait aussi crever. Ça pourrait être une bonne chose.
J'ai de la provoque et de l'armure, ça c'est pas mal. Il fait quoi lui? Il me met encore des merdes, ok. Je peux faire ça. Là, je pourrais bouger lui ici. Mettre lui genre ici, taper. Je pense au prochain tour je le tue, hein. À mon avis. Après, je sais pas si ces invocations elles vont crever quand je l'aurai tué. Ah, il invoque des bandits. Et ils peuvent taper direct? Ah non, ça va, ça va. J'ai cru qu'ils allaient taper. J'étais un peu déçu. Il est mort là, non? 18, non. Ah putain, il meurt pas les autres. Lui tape à 6 et lui il tape à... Il tape pas. il tape pas. Voilà, on va faire ça, ça. Et puis lui tape à 8, lui tape à 6. On va faire ça. C'est fait. Et ensuite on va... Ouais, je pourrais stocker tout ça, hein, tout simplement. Mettre lui dans la flotte. Ah mais les deux veulent taper mon archer par contre, ça c'est chiant. Ok. Ah mais du coup mon archer va pas pouvoir taper là. Ils sont trop près. J'ai pas la portée pour ça. Ah ouais, le scaling est assez incroyable quand même, hein. Gagner un bonus. Plus 1 de mana chaque tour, plus 1 de pioche chaque tour, ou plus 1 en capacité de stockage. En vrai, on va peut-être prendre un plus 1 en pioche pour ça. Alors, une sonde d'armure, elle fait 5 dégâts et ça envoie la cible à 2 cases. Fait reculer la cible de 2 cases. Leap to another position. Ouais, ça me fait bouger à une autre position et ça compte pas comme un truc de mouvement. Et ça me fait piocher une carte en plus. Pas tous les jours, hein. Tous les jours, je prends ça, hein. En plus, ça me permettra de booster plus facilement. Et on est du coup à l'acte 2. Ok. Mais écoutez, YouTube, on va se laisser là pour cette VOD. Et puis, je vous dis à bientôt pour l'épisode 2. Hein. Allez, salut.